Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer en tuto comment réaliser cette petite licorne en pâte polymère, mais j'en ai profité pour réaliser un crash test. Donc j'ai essayé les pâtes Prémo que j'avais reçues en partenariat avec Perle & Co. Je vous avais promis de vous faire une revue dessus. Donc je me suis dit que la meilleure façon de vous montrer de quoi elles étaient capables, c'était de vous faire un tuto avec et de tester par la même occasion. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour vous montrer le tuto et à la fin je vous retrouve pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. We'll be right back.
voilà, le tuto est passé, donc vous avez pu voir différentes choses à travers cette vidéo. Je vais commencer par les points négatifs que je lui ai trouvé durant la vidéo, mais qui n'est pas vraiment un point négatif sur le long terme, puisqu'en fait c'est juste que je ne le savais pas, et donc j'ai fait la boulette. Ma corne a cramé, ma corne a brûlé lors de la cuisson. Donc en fait la pâte Prémo cuit plus vite que la pâte Fimo. Je mets toujours mon four à 120 degrés et je mets à peine 5 minutes parce que c'est un petit four électrique, donc la chaleur se répand beaucoup plus rapidement dans un grand. Et en temps normal, pour n'importe quelle pièce, je mets à peu près 5 minutes à 120 degrés dans mon petit four électrique pour la Fimo. Et là, pour la Primo, c'était beaucoup trop. Je pense que 3 minutes auraient largement suffi. Le deuxième point négatif que je lui trouve par rapport à la Fimo, c'est qu'une fois que ma pièce cuite, donc j'ai, comme vous l'avez vu, commencé à cuire le corps, et ensuite j'ai rajouté les éléments comme les yeux et la crinière, etc. Lorsque j'utilise de la Fimo, généralement, lorsque je pose mes éléments après, ils collent quand même plus ou moins. Alors que là, pas du tout. Alors est-ce que c'est parce que ma pâte était trop cuite et du coup, ça n'a pas collé, puisque généralement on pré-cuit la pâte, on ne la cuit pas entièrement. Je ne sais pas, mais là il a fallu que je mette de la Fimo liquide pour qu'elle adhère lors de la cuisson. C'est le seul vraiment petit point négatif que je peux lui trouver. Et au niveau du packaging, en fait là on a une étiquette autocollante pour venir recoller, mais toutes les étiquettes ne collent pas, ne tiennent pas, comme ici ça s'est complètement défait. Et du coup je ne peux pas, pour je ne sais plus quelle pâte, là vous voyez, voilà, j'ai qu'un tout petit bout, du coup je peux pas refermer. Donc ça c'est pas très pratique, mais bon, c'est juste une question d'emballage. La pâte en elle-même, sincèrement je pense que quand je vais avoir fini mon stock de Fimo, ce qui n'est pas près d'arriver parce que j'en ai énormément, je pense me tourner vers cette pâte là. Je pense que vous avez pu voir lors du tuto, je suis passée exprès justement de la pâte noire à la pâte blanche, qui est là. Je suis donc passée de la pâte noire à la pâte blanche sans mettre de gants, et ma pâte blanche, bien, comme vous pouvez le voir, mes petits points sont restés blancs. Alors qu'avec la Fimo, c'est pas la peine. Lorsqu'on utilise de la noire en soft, en Fimo soft, elle se transfère beaucoup trop vite sur les mains. Là, je me suis pas du tout lavé les mains. Regardez, j'ai utilisé toutes les couleurs et mes pâtes, ça n'a pas transféré. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie dans cette pâte, c'est qu'elle ne transfère pas trop sur les mains, ou même voire pas du tout. Et donc on peut facilement passer d'une couleur foncée à une couleur claire sans mettre de gants et sans avoir la catastrophe qu'on a avec la Fimo à chaque fois. C'est une pâte aussi, je trouve, qui est moins collante que la Fimo, donc elle prend moins la poussière. Moi je n'ai eu aucun souci, je vous montre de près s'il veut bien zoomer. J'ai pas de... bon, j'ai des petites traces de doigts parce que j'ai fait le tuto, j'ai pas pensé spécialement, puisque voilà, de toute façon ma corne était cramée, donc je voyais pas l'intérêt. C'est un bijou que ma fille va prendre pour elle. Mais voilà, j'ai aucune saleté dessus, et je travaille sur ma planche de carrelage comme d'habitude, alors que généralement avec la Fimo, j'ai ce petit souci. Donc la Prémo a des couleurs magnifiques, ça transfère pas. Ça prend moins la poussière, faut juste donc faire attention au temps de cuisson qui, je trouve, est moins long que la Fimo. Et c'est tout. Sinon, elle est vraiment géniale et je pense que je vais vraiment, mais vraiment, mais vraiment m'y tourner. Les couleurs sont magnifiques et elles sont pas plus chères que la pâte Fimo. Donc voilà, j'espère que cette petite revue tuto crash test vous aura plu. J'espère en refaire d'autres si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Et puis j'espère surtout que ma petite licorne vous aura plu également. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto. Ciao !